Bah, rebonjour tout le monde. Je reviens sur cette petite vidéo pour expliquer en version française parce que nous avons des amis qui ne comprennent pas le malgache et il y a également les autorités françaises qui suivent ce que je dis. Mais pas seulement les autorités françaises, mais les autorités consulaires, autorités non malgachophones qui suivent ce que je dis. Donc, permettez-moi de m'exprimer dans cette vidéo en français pour expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé mardi dernier lors de mon arrestation ici chez moi le 23 mai exactement. Donc voilà, c'est l'État malgache qui a porté plainte contre moi pour soi-disant diffusion d'une vidéo incitant au terrorisme à Madagascar, ainsi qu'une ainsi qu'une une accusation de d'apologie du terrorisme en ayant diffusé une vidéo de meurtre, de tentative de meurtre sur le président de la République. Quand on entend quand on écoute et quand on entend une telle accusation, ça semble grave, en effet. Donc, on comprendrait sûrement pourquoi les autorités françaises, les autorités judiciaires de la France ont pris au sérieux cette plainte. D'autant plus que c'est l'État malgache qui porte plainte et que un conseiller du président de la République, qui est un ancien un policier, de la brigade de l'immigration à Créteil, qui certifie que le président malgache est effectivement en danger. Mais de quel danger il parle? Il est en danger, pourquoi? On y reviendra tout à l'heure, mais dans tous les cas, j'étais donc arrêtée, j'étais placée en garde à vue toute la journée et on a procédé à une enquête pour savoir, pour avoir ma version des faits et ma défense par rapport à tout ce qu'on me reproche. Dans l'inculpation primaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était des propos tenus par Marc Andjianis, un compatriote qui a fait une manifestation, qui a manifesté avec nous lors d'un meeting devant l'ambassade de Madagascar au mois d'août dernier, qui avait incité la population à descendre dans les rues. Il a incité la population à exploser de colère, pas à exploser de bombes. Il n'est nullement question d'explosion de bombes. C'est un soulèvement populaire il était question d'un soulèvement populaire. Il disait qu'il fallait que la population commence à s'indigner, à se révolter et à dire stop à la gabegie, à la corruption et surtout à la dictature qui s'installe à Madagascar. Car la dictature s'est installée à Madagascar, effectivement, et mon arrestation en est la preuve. Ils veulent étendre leur dictature jusque sur le territoire français. Et c'est ça qui prête vraiment à alerter la communauté internationale. Ne vous faites pas leurrer par cette bande de voyous qui est au pouvoir, cette bande de mafias qui ont leur passé de terroristes qui les rattrapent, parce que les seuls terroristes ici, quand on y pense, c'est Andjatil et sa troupe. C'est eux qui terrorisent la population, qui terrorisent depuis 2009, la population malgache, en ayant mis le feu et les pilleries dans tout Madagascar, en mettant à feu et à sang tout le pays pour détrôner l'ancien président Marc Ravalomanana. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Ils ont peur que quelqu'un fasse de même avec eux. Malheureusement ou heureusement, nous ne sommes pas de la même étoffe. Nous sommes des militants pacifistes. Nous sommes des opposants pacifiques. Et si on a passé notre temps pendant 4 ans
à dénoncer la corruption à tour de bras, à dénoncer la mauvaise gouvernance, à dénoncer les noms, les personnes, les agissements de cet état de voyous qui est au pouvoir à Madagascar, c'est parce que nous sommes des pacifiques. On a eu de cesse d'utiliser que les médias, que Facebook, que les réseaux sociaux pour se protéger, pour diffuser ce qu'on a à dire. On n'a jamais, non mais jamais, utilisé la force pour cela. Et pourquoi ici, maintenant, on nous accuse et on veut nous emprisonner, mais vraiment nous emprisonner pour soi-disant des actes terroristes. Mais non, mais non, je refuse d'être assimilée à une criminelle et moi, je le dis, c'est pour nous faire taire, c'est pour nous faire abandonner notre lutte, c'est vraiment pour nous dissuader de continuer à leur mettre les bâtons dans les roues parce qu'en effet, oui, on leur met les bâtons dans les roues, on dérange. Et surtout moi, je dérange parce que la population me fait confiance et me transmet toutes les preuves de la corruption que font les dirigeants. Et eux, ça les dérange. Parce qu'avant, les preuves, ben, ils étaient introuvables. Il n'y avait aucune preuve, il n'y avait aucun témoin, aucune personne qui aurait fait de la corruption n'a osé témoigner, n'a osé dénoncer. Tout simplement parce que c'est la loi du silence à Madagascar. Silence en corrompt tout. C'est ça qui se passe à Madagascar. Silence, on tue la justice. Et les magistrats corrompus, ils ne sont nullement inquiétés. Ce sont toujours les autres magistrats qui sont remplacés à tour de bras. Mais les autres, là, la procureure générale, qui est accusée avec des témoignages, avec des preuves, avec des vidéos, avec les actes même qu'elle a fait, elle est accusée, elle est pointée du doigt d'avoir fait de la corruption, d'avoir extorqué 5 milliards de ariary à une personne détenue en prison et aucune mesure n'est prise à son encontre. Et ce sont ces personnes-là qui espèrent que je sois emprisonnée en France pour que leur corruption puisse continuer tranquillement à Madagascar. Ben oui, c'est ce qui se passe à Madagascar. Et maintenant, je pense qu'ils ont bien compris qu'ici c'est la France et qu'en France, ce n'est pas parce que l'État malgache dit qu'une telle personne a fait ceci et qu'il faut l'emprisonner pour mettre à l'abri le président malgache et pour préserver la vie du président malgache, que l'État français ou la justice française va exécuter bêtement les ordres. Ben non, c'est pas ce qui se passe ici. Ici, c'est un État de droit. Et ici, j'ai confiance que mes droits seront respectés. Alors moi, je vais vous dire à tous les Malgaches et à tous les membres de la communauté internationale qui m'écoutent, il est temps aussi que vous preniez vos responsabilités, que vous ne vous laissez plus manipuler par cet État malgache dirigé par Mame Ravatmang. Je dis bien par Mame Ravatmang qui est nullement élu, qui est le patron de Andratswil. Et que tout le monde sait, personne de la communauté internationale n'ose dire, n'ose parler de Mame Ravatmang. Pourquoi? Vous savez tous que c'est Mame Ravatmang qui tire les ficelles. Non seulement il tire les ficelles, mais c'est lui qui vide les caisses de l'État. Et vous n'osez rien dire. Et maintenant, ils vont jusqu'en France pour me faire arrêter, moi, parce que je suis la seule à oser dénoncer le nom de Mame Ravatmang qui monopolise la vanille. C'est moi qui ai osé porter plainte auprès des autorités suisses sur le monopole de la vanille que Mame Ravatmang effectue. C'est nous qui portons plainte au niveau de l'Union européenne sur les prochaines élections où la fraude est en train de se préparer en toute impunité à Madagascar. Et vous, au sein de la communauté internationale, on vous demande juste
de prendre aussi vos responsabilités par rapport à tout ça. Ils étaient à deux doigts de faire emprisonner une innocente, l'innocente que je suis. Je suis désolée, mais je suis innocente. Le seul crime que j'ai fait, c'est de dénoncer la corruption qui sévit dans mon pays. Et pourquoi on veut m'emprisonner pour cela? Je devrais être même protégée, je devrais être même aidée, je devrais être même soutenue. Et au lieu de cela, ils veulent m'emprisonner. Alors là, c'est là que j'appelle à votre vigilance, que j'appelle à votre protection. J'ai demandé l'asile politique à Madagascar, en France, parce qu'à Madagascar, je risque et ma vie, et je risque la vie de toute ma famille, la vie de mes enfants. Et maintenant, ils veulent me suivre jusqu'en France pour me chercher des noises pour m'emprisonner, et vous, vous allez laisser faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'invite les autorités françaises, les autorités judiciaires françaises à prendre vraiment en compte que je suis en France pour me protéger de l'injustice qui règne à Madagascar, pour l'état de non-droit qui règne à Madagascar. Et pour cela, je ne les ignorerai devant rien du tout pour faire valoir mes droits. Et je vous dis, je continuerai ma lutte contre la corruption. Je continuerai ma lutte contre cette mauvaise gouvernance et je n'aurai peur de rien, pas, même pas peur de la prison. Et je sais qu'en France, je ne crains pas la prison, je ne risque pas d'aller en prison pour défendre une bonne cause. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je suis ici pour dire, pour restaurer la vérité, pour qu'on ne dise pas que même eux, voilà, c'est une criminelle qui s'est fait arrêter vulgairement chez elle pour des raisons, voilà. Non, je n'ai rien fait. Je suis innocente et je suis victime de persécutions politiques parce que je dérange, parce que je dénonce la corruption qui sévit dans mon pays, parce que je dénonce la mauvaise gouvernance et surtout l'imminente invasion de la mafia russe à Madagascar parce qu'ils sont en train de préparer une loi pour permettre d'octroyer des permis miniers à des étrangers, chose qui ne devrait jamais, mais jamais, mais jamais exister à Madagascar parce que les Russes en veulent aux ressources minières de Madagascar. Donc là, je vous dis, si vous pensez que l'Ukraine était en danger, là maintenant, Madagascar aussi est en danger avec ses dirigeants au pouvoir. Ce pays est dirigé par Mami Ravatmang, qui n'est même pas élu, mais c'est lui qui dirige le pays. C'est lui qui utilise tout l'argent que la Banque mondiale et la FMI versent dans les caisses de Madagascar. C'est lui qui dirige la justice, c'est lui qui donne les ordres d'emprisonner tout le monde et c'est lui-même qui donne les ordres de me faire emprisonner ici en France. Donc, n'acceptez pas, refusez, soyez vigilants, n'acceptez pas d'être instrumentalisé par Mam Ravatmak, ce n'est qu'un vulgaire criminel qui blanchit de l'argent partout dans le monde. Et voilà. Voilà mon message pour aujourd'hui et j'espère que les personnes qui sont concernées ont bien entendu, car je reviendrai là-dessus jusqu'à ce qu'on m'entende. Et j'invite encore les Malgaches qui m'écoutent, vous comprenez ce que je dis. Même si je le dis en français, vous comprenez. N'ayez pas peur. Comme on l'a dit, c'est la peur. C'est la peur de nos actions, c'est la peur de notre solidarité, c'est la peur de nos dénonciations qui fait que ces dirigeants, ils se mettent en quatre pour nous museler et ils croient qu'ils ont réussi à m'intimider. Mais non, je ne suis pas intimidée et j'exhorte encore plus la population à se solidariser, à s'indigner et à se révolter devant la dictature qui s'installe. La peur a déjà changé de camp parce que c'est maintenant eux qui ont peur. Ils ont peur de nous. Ils ont peur que la population se réveille
Et maintenant, moi, je vous dis, mais réveillez-vous, réveillez-vous. Voilà, je vous dis tous au revoir et je vous remercie encore de m'avoir suivi aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. À très bientôt.